thank you Hello les amis Alors avant toute chose, <laughs> je suis vraiment vraiment désolée parce que aujourd'hui nous sommes le 17 septembre que euh, c'est voilà la vidéo euh, fil rouge et la vidéo défi qui vont être tournées là aujourd'hui euh, comme beaucoup le savent euh, j'ai repris un travail qui me prend beaucoup 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 de temps euh, psychologiquement c'est un travail très prenant euh, ce qui fait que quand je rentre le soir, ben, pas, j ai, j ai, j ai... malheureusement, j'ai un petit peu envie de rien. Euh, là, je suis encore au début de ce travail, hein, puisque ça fait deux mois que, que j'ai commencé. Enfin, ça va bientôt faire deux mois, dans quelques jours. Euh, ce qui fait que j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Et ben, que c'est beaucoup, beaucoup d'investissements personnels, ce qui fait que bah voilà, donc je n'ai plus le temps de colorier, je n'ai plus le temps euh, de faire des vidéos, je n'ai plus le temps de faire les courses, je n'ai plus le temps de rien. Euh, du coup dès que je termine mon travail, je suis à la maison avec les enfants et, euh, pa et le papa <laughs> et mon homme. Je passe un maximum de temps avec tout le monde et c'est pour ça que malheureusement je n'ai pas eu le temps ces derniers jours de tourner ces vidéos ni de colorier. Donc je vous avouerai que cet été a été, je crois, le plus catastrophique que j'ai jamais eu au niveau coloriage. C'est une euh, catastrophe. Je n'ai fait, je crois, que trois colos. Je ne sais même plus pour vous dire. Euh, juillet, un colo et août, deux colos dont un qui est en cours, il n'est même pas terminé. Alors, du coup, euh, deux annonces à faire avant de, mettre, de, de vous faire voir vos coloriages. Je vais devoir arrêter les défis, puisque vous voyez, c'est impossible pour moi de continuer à ce rythme-là avec le travail pour le moment. Dès que je pourrai remettre en place quelque chose, je le ferai, mais là, pour l'instant, les défis, c'est terminé. Et pour le fil rouge, euh, malheureusement, ça va être très compliqué pour moi de continuer sur tout, euh, tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je pense que je vais me concentrer sur le Nightfall euh, jusqu'à la fin de l'année. En espérant que j'arriverai enfin à le terminer. Euh, J'aimerais vraiment réussir à aller au bout, au bout de, de mon challenge fil rouge, enfin euh, je ne sais pas comment l'appeler, de mon fil rouge Nightfall et de pouvoir enfin le terminer. Alors. Euh, du coup, pour septembre et octobre, on va faire. Euh... Là, je vais vous dire quel coloriage faire pour septembre et octobre. Mais avant, on va passer les colos de l'été. Euh, du coup, on avait quoi Alors, je vais faire d'abord ce que j'ai pas fait. Que je trouve ça mieux. Euh, donc, dans celui-ci, il y en avait deux. Euh, J'en ai perçu beaucoup. Je suis dégoûtée parce que je les trouve trop mignons et j'aurais trop eu envie de les faire. En plus, c'est pas des colos qui prennent énormément de temps. Mais vraiment, je voulais d'abord faire les Nightfall parce que c'est pour moi c'est une priorité. Le Nightfall, hein, vous le savez, depuis trois ans que, on est, que je suis dessus, j'aurais aimé pouvoir le terminer. Bon, c'est pas grave, c'est pas fait, mais euh, on va y arriver tout doucement. Hein Donc, on avait euh, la petite Daisy. Et euh, le petit... Euh, alors je ne sais pas si c'est Rox ou Rookie, mais je sais que c'est dans le dessin animé Rox et Rookie. Voilà. Qui c'était... Moi je les trouve trop chou. J'aime beaucoup ce livre euh, Babies, même si c'est pas mon préféré hein, dans les carrés, mais je l'aime beaucoup celui-ci. Donc je vais vous laisser avec vos coloriages. Je vous ai fait voir les deux qu'il y avait à faire pour l'été, puisque vu que j'en ai parçu beaucoup, je me suis dit que je pouvais euh, mettre les deux d'affilée. Donc, je vous laisse tout de suite avec vos colos. Ceux de Mariva Lurini sur un fond très jaune, très flashy. Voici notre petite Daisy, trop de choupinou. Moi, j'adore Daisy, elle est trop belle. Et puis le second. Alors, le, le orange, il est vraiment flashy. Ça fait vraiment ressortir sur le, le fond jaune. C'est sympathique. Celui de Cécile, j'aime beaucoup cette double page, j'aime bien le fond euh, de Daisy justement, euh, un fond très coloré que je trouve très sympathique, j'aime beaucoup euh, le résultat. Et puis le petit euh, renard, j'aime beaucoup le fait que tu aies détouré en blanc, euh, je trouve que ça le fait ressortir un peu plus, c'est sympa. Le colo d'Agnès, sa petite Daisy, elle est trop choupinou, j'adore. Et son bec, il est un petit peu fluo, j'aime beaucoup. Celui d'Aurélie Coloriage, bah comme d'habitude, quoi Aurélie, moi j'aime beaucoup tes résultats. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'elle a beaucoup de volume, elle est superbe, elle est vraiment réussie. Celui de Cynthia, le fond bleu là, il fait ressortir le violet rose. Ça fait super sympa. Celui d'Anji, oh il est trop mignon. Moi j'aime beaucoup le vert que tu as utilisé pour le fond, euh, vert turquoise là. Je trouve que ça fait un super rendu. Celui de Colorine, j'adore également le volume que tu as réussi à mettre dans Daisy. Euh, je le trouve super sympa, super coloré et super gai. Celui de Charlotte, il est Trop choupi, moi j'aime beaucoup. Enfin bref, de toute façon, à chaque fois je dis ça, euh, j'aime beaucoup euh, le, les étoiles que tu as faites. Celui d'Aurélie Colori, bah voilà, comme d'habitude, hein, j'aime beaucoup ton résultat. Euh, je trouve que tu as hyper bien choisi les couleurs, on voit pas les traits, c'est super beau, j'adore. Celui de Angie, euh, j'aime beaucoup la couleur que tu as choisie pour le, le, le petit renard. Ça ressort bien sur le bleu, je trouve. Celui de Charlotte qui nous a fait un fond à plusieurs couleurs. C'est plutôt sympathique, j'aime beaucoup. Et ton renard a pas mal de volume, je trouve. Celui de Colorine, comme d'habitude, pareil, j'aime beaucoup aussi ta pâte. Le fond est vraiment super sympa et l'effet poil est très travaillé. Voilà, donc vous avez vu vos super colos. Ensuite avec ces, euh, ces colos là il y avait également le défi. Alors je rassemble, je rassemble tout dans cette vidéo parce que comme vous avez pu le voir je suis débordée et je veux que euh, du coup tout sera ici. Voilà. Donc pour euh, avec ce, ce livre là, je vous avais proposé de faire un défi Mickey et un défi euh, animaux de la ferme. Voilà. Donc, avec ces, ces deux-là, c'est les thèmes que je vous avais proposés pour les défis. Donc, là, vous allez voir les quelques colos que j'ai reçus pour les défis. C'est pareil, il n'y en a pas énormément. Euh, mais c'était l'été. Et si vous avez été autant débordé que moi, je vous comprends. <laughs> je vous laisse avec vos colos. Oh, wow, le petit Donald, j'adore, il est trop mignon. Euh, J'aime beaucoup les vieux dessins animés comme ça. Euh, je les trouve très sympathiques. Euh, celui d'Indra qui a été un peu mal rangé. Je suis désolée, il n'est pas au bon endroit, mais bon, ça reste un Donald quand même. Il est super sympa. Euh, encore un d'Indra, il est trop beau. J'aime beaucoup comment tu as colorié euh, Mini. Je trouve qu'elle est super sympathique puisque tu l'as fait de façon assez originale. Euh, un coloriage de colorine qui est un colo mystère. Plutôt sympathique, j'aime beaucoup le résultat. Euh, celui de Asna, pareil, c'est un colo mystère. Il est trop sympa. C'est un, pareil, un tiré des vieux dessins animés Mickey. Et j'aime beaucoup ce, ce genre de colo. Celui de Cécile C. Oh là là, elle a eu du courage de faire un colorage dans le vitro. Il est magnifiquement réussi. Celui de Katia pour le thème euh, de la ferme avec une noix. Elle est super belle. J'aime beaucoup ce décor. Et alors, l'effet bois. Ouh, que de boulot euh, Celui de Cendrillon 5962, mais quel boulot aussi là-dessus, plein de détails. Cette ferme dans le fond, là, c'est super beau. Celui de Colorine, j'adore, il est trop mignon, trop choupinou. Euh, J'aime beaucoup très coloré. Donc voilà pour le babys et les défis. Maintenant, on va passer au... Saison d'Anna Carlson. Alors, je suis désolée, j'ai pas mal de reflets, tout ça, parce que, bah, je rentre... Voilà, il est 19h28. Euh, j'ai dû allumer la lumière parce que, même s'il fait pas noir, il fait assez sombre dans la pièce. Et Du coup, voilà. Donc, je vais vous faire voir euh, les colos qui vous étaient proposés pour cet été. Donc, c'était cette double page avec le pan et la dame avec ses un petit peu... Euh, voilà, ces fleurs qui sortent de partout. Euh, je suis dégoûtée parce que c'est pareil, le portrait, j'aurais adoré le faire. Et j'ai reçu des colos du pan, mais d'une beauté, j'ai adoré, ils sont super beaux, je suis vraiment trop dégoûtée de ne pas l'avoir fait, j'aurais aimé voir, euh, euh, pouvoir comparer un petit peu les résultats par rapport à vous euh, pour voir vraiment ce que ça, ça donnait. Je trouve que comme ça, sans, sans être colorié, il paye pas de mine, mais franchement, vous allez voir. Les résultats, c'est un truc de fou. Et alors le portrait, euh, je crois que c'est Aurélie qui a fait euh, la double page. Que je, euh, la peau. Mais la peau, elle est magnifique. De toute façon, je vous le dirai certainement euh, en voix off. Euh, vous verrez ça en voix off. Mais vraiment, il y, y en a, ils sont magnifiques. J'ai adoré. Il euh, y en a que je n'ai pas encore vu parce que vous voyez, on est le 18, j'ai même pas encore réussi à, à, à récupérer tous les colos de cet été. C'est vraiment une catastrophe! <laughs> Donc je vous retrouve... Celui de Sister Love Creation. Oh là là, mais quel résultat. Il est vraiment beau. Celui de Aurélie Coloriage euh, avec sa double page. Je crois que c'est ma double page préférée euh, de toutes celles que j'ai reçues. Encore une fois, tu es souvent dans mes préférés. Mais regardez-moi cette peau, comment elle est magnifique. Ce fond, comment il est super. Enfin, moi, j'aime vraiment le tout sur, sur cette double page. Et alors là, le fond, euh, coucher de soleil, euh, derrière le pan, les fleurs. Les... Enfin, moi, c'est vraiment... Euh... Enfin, voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. Celui de Charlotte, j'aime beaucoup le résultat. Le fait d'avoir fait bleu sur bleu, ça fait ressortir les fleurs euh, qui sont roses. Celui de, enfin le deuxième de Charlotte avec un visage, la peau est super bien travaillée, le fond est super sympathique, le maquillage est très réussi, j'aime beaucoup. Celui d'Indra, c'est dommage, la couleur elle est un peu sombre, mais on voit que tu as beaucoup travaillé la peau et le maquillage bleu, il est super réussi, moi j'aime beaucoup le rendu. Euh, le, la deuxième page d'Indra, pareil, j'aime beaucoup les fleurs, euh, je les trouve très réussies et je trouve que ça ressort très bien sur du vert. Celui de Silou. Alors j'adore ce, ce mélange de couleurs, ce combo couleur un petit peu euh, sépia. On dirait presque un mélange sépia. Et euh, j'aime beaucoup le rendu. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Voilà, j'adore les couleurs que tu as utilisées. Ce mélange. Je, je, je suis fan. J'aime beaucoup le bijou qu'elle a sur la tête, qui rappelle du coup le pan. Et alors ces fleurs violettes mauves. Oh là là. C'est une tuerie. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Encore une fois, des rendus super différents. Euh, celui de Moment de Couleur, cette peau. Et alors ce rouge à lèvres vert là avec ce maquillage, ce fond. Oh, voilà, j'aime encore le tout. Isangel. Euh, alors j'aime beaucoup euh, le fond que tu as utilisé. C'est dommage que je pense que tu as utilisé le flash et du coup, certaines couleurs ne ressortent pas comme elles devraient, je pense. Euh, pareil pour celui-ci. Je pense que ton fond, il est pastel, nacré. Euh, j'aime beaucoup ton pan. Il est super réussi, j'adore. Celui de Géraldine, oh cette double page euh, avec les couleurs inversées, euh, je trouve le rendu vraiment sympathique, ça change. Et ce rouge là, il est puissant, enfin rouge bordeaux, sur un fond rouge, euh, rouge rosé avec un peu de vert là, ça ressort vraiment beaucoup. Et ce pan, il est magnifique dans ces teintes là, j'adore, ça fait super beau. Et le petit dernier de cette collection, Katia, avec un fond bleu magnifique qui fait ressortir le visage. Et ses bijoux, ils sont super réussis. Euh, je vais vous faire voir encore le Nightfall. Hein. On a encore le Nightfall. Alors, le Nightfall, c'est celui dans lequel j'ai fait un colo et demi euh, sur les quatre qu'il y avait à faire cet été. Je suis dégoûtée. Donc, j'ai deux colos et demi de retard sur ce que j'avais prévu. Euh, alors, ça peut, ça peut se rattraper parce qu'il y a des colos qui sont vraiment assez simples, notamment les deux qui viennent après. Mais, mais voilà quoi. Et ça, ça, si c'est toujours aussi compliqué pour moi les, les mois prochains, je ne sais pas comment je vais y arriver. Donc, il y avait celui-ci. Euh, J'aimais beaucoup euh, ce colo. J'aime beaucoup mes fleurs. L'oiseau passe encore. D'ailleurs, c'est des choses que j'ai fait en live. Il me semble que j'ai fait... Euh, je vous ai fait voir comment réaliser les pavots en live, il me semble. Et peut-être aussi l'oiseau, je ne sais plus. Euh, le fond, non, je ne l'ai pas fait en live. Et le fond, en fait, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action euh, que j'ai mis juste autour du truc. En fait, je voulais faire un fond bleu, velouté, mais j'avais un peu loupé le truc. Du coup, j'ai repassé avec l'aquarelle macrée la de chez Action et bon, ça va, c'est sympa. Je pense que si j'avais fait tout le fond de la page, ça aurait été plus sympa. Donc euh, peut-être que je me mettrais à le rattraper quand je ferai de l'aquarelle, mais euh, vous savez, enfin le rattraper à faire toute la page. Mais là, pour l'instant, euh, j'ai pas le courage de reprendre autrement. Donc voilà. Euh, sinon, il a été colorié au Black Widow. Euh, donc je voulais essayer de réutiliser des crayons euh, que j'utilise pas forcément tout le temps. Donc j'ai réutilisé les Black Widow. Et puis voilà pour ce colo. Donc je vais vous laisser avec les vôtres. Euh, pareil, il y en a des super beaux. Vous avez encore une imagination débordante. Moi j'adore. C'est vraiment un, un principe que j'adore. C'est pour ça que je veux, je veux, je veux continuer. J'ai vraiment pas envie d'abandonner. Euh, je suis vraiment désolée déjà d'arriver à, à ne garder plus que le Nightfall. Mais euh, je pense que vous comprendrez. Hein voilà. Donc je vous laisse avec ce. Celui de Isabelle B. J'adore la couleur de tes fleurs. Euh, je trouve que ça fait un peu vieilli. Et j'aime beaucoup euh, les dégradés que tu as fait. Celui de Sabine P. Avec des couleurs un peu plus traditionnelles. Euh, j'aime beaucoup tes, ton rouge là, qui ressort beaucoup. Et euh, le mélange que tu as fait dans le fond est sympa. Celui de Sister Love Creation, tout en douceur. Euh, on dirait un truc de naissance, un faire-part de naissance. Je le trouve très doux, très mignon. Les dégradés sont magnifiques. Celui de Agnès, avec ce trait un peu gris dans le fond, qui, je trouve, fait ressortir le dessin et lui donne plus de profondeur. J'adore le résultat. Euh, celui d'Aurélie Coloriage, bah comme d'habitude, hein, je suis fan du résultat. Euh, tes fleurs sont superbes, ton oiseau il est magnifique, j'adore ton oiseau et ton fond vaporeux, je trouve super. Celui de Cynthia, un peu plus simple, mais on voit bien ressortir les fleurs et ça rend super sympathique. Celui d'Anji avec un fond jaune et vu la couleur des fleurs, ça fait tout ressortir le dessin. Et l'oiseau, je trouve que tu as vraiment superbement réussi cet oiseau. Celui de Cendrillon 5962. Encore une fois, l'oiseau, je le trouve superbe. Les pavots sont magnifiques. J'adore, enfin les coquelicots sont super beaux. Celui de Charlotte, euh, j'aime beaucoup le fond que tu as fait. Euh, et les fleurs roses, j'aime beaucoup tes fleurs roses et l'oiseau, je le trouve superbe aussi. Celui de Indra, j'adore tes coquelicots. Ils sont magnifiques, je trouve. Enfin, euh, coquelicot, pavot, je sais plus. Et ton oiseau vert, il est super. Ensuite, on avait <laughs> la moitié de mon colo. <laughs> Celui-ci a réalisé. Alors, je l'ai euh, entamé. J'ai adoré faire le din. Je j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. Alors, je vois pas. Ouais, si vous voyez très bien là. Euh, J'ai fait des photos un peu plus proches sur Insta, si vous voulez aller voir. Oh, J'adore. Franchement, je le trouve magnifique. Euh, les fleurs, ça va, ça passe aussi. Les fleurs, je les ai fait au Arteza. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisées, les Arteza. Mais alors, le, le fond, j'ai utilisé les Drawing de Derwent Tintons. C'est. Euh, de Derwent. Pourquoi Derwent Tintons Ces crayons, c'est une tuerie. Je les adore. C'est vraiment, vraiment dommage qu'on ait que si peu de couleurs sur cette gamme. Parce que. Il pourrait être à n'importe quel prix. Il euh, y en aurait 100, je les aurais achetés. Vraiment, je trouve que c'est une tuerie ces crayons. Je les adore. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup euh, où j'en suis sur ce colo. J'espère euh, réussir à le finir sans le gâcher. Euh, on verra bien. <laughs> voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec vos colos de l'été sur le petit Bambi. Celui de Isabelle B. Euh, ton animal a l'air super bien réussi. J'adore. Celui de Sister Love Creation, tout en douceur encore. Moi, j'aime beaucoup. Le dégradé dans le fond, il est sympa, mais alors ton animal, je le trouve vraiment très, très réussi. Celui de Sabine P. Euh, j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Je le trouve très, très harmonieux, celui-ci. Euh, malgré qu'il y ait beaucoup de fleurs différentes, euh, voilà, j'aime beaucoup. Celui d'Agnès, bah encore une fois, je trouve ton animal très réussi. Tes fleurs super réussies. Et tes papillons sont assez originaux, je trouve. Celui d'Aurélie Coloriage. Wow, quel travail sur le, le daim. Il est super beau. Et ce fond, j'adore ce fond. Et puis les couleurs des fleurs et tout. Enfin bref. Euh, celui de Cynthia qui nous a fait un fond un petit peu boqué. Je le trouve très sympathique, très réussi. Euh, J'aime beaucoup ton daim également. Enfin euh, en même temps, c'est la pièce principale. Hein. Euh, celui de Cendrillon 5962. J'aime beaucoup ton fond. Et tes papillons, je les trouve très réussis. Le daim est super aussi. Celui de Charlotte, bah toujours un papillon très réussi, un fond super avec des nuages. Euh, j'aime beaucoup l'effet herbe que tu as fait derrière les fleurs. Là, je le trouve très réussi. Celui d'Indra, avec un fond un petit peu marron. Euh, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'on ne voit pas beaucoup le daim, alors que c'est euh, lui qui devrait être mis en avant. Mais j'adore tes papillons, ils sont super beaux. Celui de Isangel, j'aime beaucoup le mélange des couleurs que tu as utilisé c'est super sympa. Ensuite, on avait les colo bonus, une double page de colo bonus, bonus, pardon. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, je n'ai fait qu'un colo et demi. <laughs> donc, ils ne le sont pas du tout commencés. Et c'est pareil, c'est des colos que j'avais hâte de faire parce que je voulais faire les jonquilles avec ce petit chat. Euh, les jonquilles jaunes, là, toutes lumineuses et tout. J'adore la couleur jaune. Donc, euh, euh, j'avais vraiment hâte de les faire. Et voilà. Ils ne sont pas du tout commencés, je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, on ne va pas se couper en quatre, hein. malheureusement, une journée fait 24 heures et on ne peut pas <laughs> faire plus. Euh, il faut bien qu'on se repose aussi. Donc voilà, Donc je vais vous laisser avec vos colos du colo bonus. La double page de Maëva Lurini, je le trouve sympathique. Euh, J'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées. Et le petit chatou gris, il y ressort bien dans le fond vert, du coup, dû aux feuilles qu'il y a derrière lui. Voilà, je trouve euh, le résultat sympathique. Avec ses petites jonquilles violettes, <laughs> euh, un oiseau bleu, voilà, ça fait euh, super sympa la double page. Celui de Sister Love Creation, j'adore. Et alors, cette, cette, pff, le chat, il est super beau. Euh, les fleurs, le soleil, euh, le dégradé dans le fond, tout est réussi. Euh, son deuxième, j'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées. Je les trouve très douces et euh, ça se marie très très bien. J'adore la double page de Move Passion. Euh, j'aime beaucoup ton fond qui donne vraiment beaucoup de profondeur au dessin, qui le fait bien ressortir. Et tes jonquilles sont super jolies. Moi, j'aime beaucoup. Euh, ton oiseau, il a l'air d'être trop mignon. Et je pense que tu as mis des paillettes dessus parce que ça fait un beau reflet, là. Euh, il a l'air d'être super joli. Et ce petit chat, oh, ce travail dessus, il est super beau. Le muscari devant, un petit peu dans les tons rouges, là, je le trouve super aussi. Ça ressort bien. Celui de Sabine P. Euh, je trouve que tu as bien fait de détourer un petit peu ton chat. Euh, qui ressort beaucoup du coup sur le fond un peu vert. J'aime beaucoup le résultat. Euh, pareil, le fond, là, j'aime beaucoup. Et, euh, et, et la couleur des jonquilles et des fleurs bleues, ça, ça harmonise le tout, c'est super sympa. Euh, celui de Cynthia, alors ton oiseau, on ne voit que lui, il est super beau. J'aime beaucoup le dégradé que tu as fait. Celui de Charlotte, oh, je trouve trop mignon ton petit chat. Et, euh, pardon, et tes jonquilles roses, là, sont très, très jolies. Euh, la deuxième page de Charlotte, j'aime beaucoup la couleur que tu as utilisée pour ton oiseau euh, posé sur ces jolies jonquilles. Ça le fait ressortir avec le fond. Enfin, j'aime beaucoup l'ensemble. Celui d'Indra, j'adore... J'adore ton fond. Euh, j'ai déjà testé ce genre de fond mais j'ai jamais réussi à le faire comme ça. Et, euh, et, et du coup voilà, chapeau, j'aime beaucoup. Euh, ton chat a l'air trop mignon et les couleurs là, que tu as utilisées pour les fleurs, le, le rose pâle, là j'adore. Celui de Isangel, j'aime beaucoup les tulipes un peu orange que tu as faites là dans le fond. Et la couleur du chat est plutôt sympathique. Son deuxième, alors ton oiseau, j'adore, il est trop mignon. <laughs> Toujours les oiseaux bleus. Donc du coup, pour euh, bah, le mois prochain, vous vous doutez bien que vous donner un colo pour septembre, c'est un petit peu compliqué. Donc je ne suis pas sûre de faire euh, une vidéo euh, fil rouge début octobre. Mais franchement, je ne suis pas sûre, parce qu'en plus, il faut que je finisse l'autre colo avant de pouvoir commencer le nouveau. <laughs> donc ça crée un peu. Mais... On va, vous remettre, on va se remettre quand même un colo par mois. Hein. On va essayer, on va tenter le truc. Et puis là, vraiment, c'est des colos qui sont assez simples. Très simples, même. Voilà, septembre et octobre. Alors, septembre-octobre. Si vous pouvez, euh, pour celles qui me suivent depuis peu ou qui n'ont pas euh, fait autant de coloriage que moi dans le livre. Parce que là, je ne vais pas donner de bonus. Vous euh, voyez comment je suis déjà débordée. Donc, je ne vais pas donner de bonus. Si jamais euh, je viens à, entre guillemets, changer d'avis, je vous ferai une petite vidéo. Mais pour pouvoir vous donner des bonus, il faut déjà que je finisse les trois colos qu'il y a devant. Donc, le Bambi, euh, plus les deux que je viens vous faire, faire, faire voir, plus les jonquilles avec le chat, la double page avec les jonquilles. Donc, ça me paraît fort improbable que j'arrive à faire ces cinq coloriages pour la fin octobre, donc ça m'étonnerait, euh, donc ce que je vous propose c'est tout simplement de rattraper un des colos que vous n'avez pas eu le temps de faire, parce que très peu de personnes sont au même niveau que moi, donc n'hésitez pas à faire un des colos qui avait déjà été proposé en fil rouge et à me l'envoyer en colo bonus, euh, et pour celles qui n'ont pas fait de colo bonus ou qui ont tout simplement envie de m'envoyer euh, un colo, leur colo préféré dans le Nightfall, leur colo qu'elles ont réalisé, n'hésitez pas. Mais je pense que quand je finirai le Nightfall, je vous le redemanderai, ça, de m'envoyer euh, chacun votre coloriage préféré de Nightfall que vous avez réalisé pour faire une petite vidéo récap de ces trois années fil rouge. Ouais, du coup, ce sera peut-être un peu plus que trois années. Hein. Enfin bref, on verra ça <laughs> par la suite. Parce qu'on est quand même fin septembre. Et mine de rien, la fin de l'année arrive à très grands pas. Et là, il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colos et demi. Donc, il en reste encore pas mal quand même. Mais bon, on avance, on avance petit à petit. Euh, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le fil rouge et sur les défis. Donc je suis vraiment désolée. Le défi, enfin euh, les défis, du coup, s'arrêtent là pour euh, je pense pour cette année. Franchement je pense que cette année, je pense que c'est mort. Euh, mais dès que je pourrai je le remettrai en place. Du coup, j'aimerais euh, mais là ça me paraît vraiment improbable de terminer Nightfall pour la fin de l'année. Et encore plus improbable de réussir à repartir dans le Peter Pan avant la fin de l'année. Ça me paraît un peu compromis tout cela, mais bon, on verra bien. Alors voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros 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 bisous. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.